pas, lui. D'habitude, c'est Sandra qui sert. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle est pas là? Elle est pas là, Sandra? Non, elle a pris sa journée. D'habitude, elle prend pas sa journée le mercredi. Bonne volante. Vous pouvez nous ouvrir le coffre, s'il vous plaît? Vous savez que vous avez un feu arrière de cassé? Attendez, là, je vois pas le rapport entre fouiller ma voiture et mon feu arrière. Mais c'est bon, mon feu arrière, mais je vais le changer. Je dois sortir mon bébé? Non, parce que là, vous l'avez réveillé, vous venez juste de s'endormir. Mais vous vous en foutez, vous, hein? C'est pas vous qui allez le rendormir. Vous avez les papiers du véhicule? Ouais, ouais, c'est ça, ouais, bien sûr. Ah, il a faim. Ah ouais? Qu'est-ce que t'en sais? Ok, ok, pardon, c'est bon. Putain, je sais pas ce que je... C'est pas possible, je les attire. Essaye toujours. Quoi? Le biberon. Peut-être qu'il a faim maintenant. Le gars, il me dit qu'il faut qu'il appelle son transitaire. S'il a oublié son carnet ATA, j'ai peux rien, moi. Je peux pas lui amener. Il venait d'où, le camion? Coimbra. Coimbra. Coimbra.
mieux? Il a faim, il a pas faim. Moi, je sais pas ce qu'il veut, hein. Qu'ils ont après votre voiture? Je sais pas ce qu'ils ont. Ils sont tombés dessus comme ça. En plus, j'ai un feu arrière qui est cassé, alors forcément. Si ça vous arrange, je peux vous en trouver un de feu arrière. Ouais. Ouais, enfin, ce que je voudrais surtout, c'est qu'ils me lâchent. Parce que moi, j'en ai marre. Non, non, non. Non, j'ai pas besoin des deux. Juste le droit, je te dis. C'est quel modèle? Comment ça, quel modèle? Bah, quelle année? 73. 73? Non, non, pas la berline, le break. Bah, tu me rappelles? Ah, merde. Vous auriez pas un truc pour nettoyer, là? Il m'a tout dégueulassé. Si, si, si. Voilà. Merci. Vous ne pourriez pas me le tenir? C'est une maison. Mais non, pas comme ça. Voilà, comme ça. On s'est vu au centre commercial, non? Ah ouais? Comment vous savez ça, vous? Ben, on vient souvent à la cafétéria après l'entraînement avec toute l'équipe de foot. Ah ouais. Tous les mecs un peu cons, là, à l'équipe de foot. Ouais, c'est ça, ouais. Les mecs un peu cons qui font du bruit. Non, mais je suis venue vous voir une fois jouer avec une copine. Qui ça? Quelqu'un que vous connaissez pas. Et comment c'était? Bien. Vous êtes pris une pilée, mais sinon, c'était bien. Attends, j'ai quelque chose, là. Mademoiselle, s'il vous plaît. Pourquoi vous avez fait ça? Vous avez pas le droit. Vous avez pas le droit. Vous me lâchez, putain. Je me casse. Je me casse. Vous me lâchez. Vous me lâchez. Vous restez là, vous calmez. Vous me lâchez. Vous calmez. Calmez-vous, calmez-vous. Je sais rien, mais... On va revenir. Calmez-vous. Calmez-vous, faites attention à votre bébé. Et ça, vous l'avez récupéré où? Non, mais attendez, mais... Vous êtes cinglé, là. Je suis pas trafiquante de drogue. Non, mais je travaille dans une cafétéria. Je reprends mon boulot à 8 heures. Vous avez vu l'heure qu'il est? Non mais moi je vais me faire virer, moi, si je peux pas assurer. Vous avez fait quoi en Espagne? Mais demandez-lui, à lui, il me connaît. Et attendez, je la connais, d'accord, mais... On discutait, c'est tout. Et alors, pourquoi elle dit que vous étiez avec elle? Mais je sais pas, moi, comme ça... Mais vous pouvez vérifier mes appels radio. J'ai posé une bagnole à la fourrière et je suis revenu ici par la voie de service. Vous avez les clés du véhicule? Oui. Elle est prévenue du berger? Oui, elles sont dans mon sac. Oui, mais il arrive. Lâchez-moi, vous avez pas le droit. Je veux rentrer chez moi. Ne prenez pas de bébé. Lâchez-moi. Oui, bonjour. Non, ramène-toi. J'ai rien fait, moi. Allez, allez, tu leur demandes de passer devant une pharmacie, n'importe quelle épicerie ouverte à cette heure-ci, pour ramener des couches. Ouais, des couches, tout ce qu'il faut pour un moment. Hé, hey, il pleure le bébé. Ben démerdez-vous. Oh.
t'énerve. Il est quelle heure? Faut que j'aille bosser, moi. Il est quelle heure? Mais non, en Espagne. Je sais pas où, avant la frontière. Mais juste après le biberon du petit, je vous dis. Enfin, je pensais qu'après, comme ça, il ferait la sieste dans la voiture. Oh, n'importe quoi, hein. Tout ça là pour faire 200 km, c'est n'importe quoi, ça. Mais hein, c'est qu'après, il s'est réveillé à cause de la chaleur. Et puis, comme j'avais plus d'eau, je me suis arrêtée à une station pour lui donner à boire. Et où puis, on change. Un peu avant Figueras. Où ça? Quelle station de service? Mais je sais pas, c'était un peu avant Figueras. Et puis, après, je me suis rendu compte que j'avais oublié le biberon. Alors, forcément, j'ai voulu y retourner. Et je me suis plantée. C'était super mal indiqué à cause des bretelles et tout ça. Ouais, ouais, ça tombe bien. Qu'est-ce que tu avais pris? Qu'est-ce que tu avais fumé? Non, j'avais pris du café, c'est tout. Du café? C'est bon, laisse tomber, va. Alors, ça va avec Jean-Marc? Ouais, il en récupère jusqu'à mardi. Les heures sup. Ouais. T'aurais pas une aspirine? Non, demande à Evelyne. D'accord, ok. Ils l'ont chopé redescendant, la fille. C'était quoi comme bagnole? Une Tonus. Putain, 1,550 kg, t'imagines, à 500 balles, le grand. Mais tu sais, c'est vraiment une bonne femme pour le planquer comme ça. Dès que ça va en moteur, c'est oh là là, je me salir les mains. Combien tu dis qu'il y a? 1,550 kg. Putain, quand c'est qu'ils l'ont arrêté? Moi, si t'avais un colis à planquer, ben, vous pouvez toujours fouiller les mecs, hein. Il n'y aurait qu'un chien qui pourrait le trouver. Ouais, mais toi, c'est pas pareil. Toi, t'es un super mec. Super intelligent, super fort. Qu'est-ce qui te dit que c'est elle qui l'a mis? Ouais, ça va, lâche-moi. C'est peut-être sa soeur qui l'a mis. Margès, Majescos, c'est quoi ce nom sur ton carnet, là? On vous a pas appris à écrire à l'école? Bah si, il suffit de savoir lire. C'est qui ce Majescos? Majescas, un copain. Et vous en avez beaucoup comme ça, des copains? Mais vous êtes bouché ou quoi? Je vous ai dit que j'étais partie hier direct de mon boulot, j'ai juste fait l'aller-retour. Enfin, je suis quand même pas débile, j'aurais pas fait ça avec un bébé. Tu nous parles un peu mieux, là, hein? Vous avez localisé le père de l'enfant? Non, je croyais que c'était les autres qui s'en occupaient. Non, mais attendez, non, mais lui, il a rien à voir là-dedans. Tu le couvres, c'est ça? Mais non, pas du tout, mais enfin, il s'est jamais occupé de lui. Mais je veux pas qu'on l'appelle. Je veux voir un avocat, moi, j'ai rien fait, je veux sortir d'ici. Je veux, il y en a marre des cheveux. Moi, je veux des noms. Tu me donnes et après, on verra ce que tu veux, ok? J'en ai marre, là, je veux que ça s'arrête. Mais combien de fois faut que je vous le dise? Je suis allée chercher mon bébé, j'ai ma copine qui me le gardait. Et depuis combien de temps j'ai cette copine? 2 mois et demi, mais bon, j'allais le voir tous les week-ends, vous pouvez vérifier. Enfin non, pas tous les week-ends, mais bon. Et c'est qui cette copine? C'est une copine du lycée. Caroline, enfin c'est... Caroline comment? Elle fait quoi en Espagne? Oh, putain, vous allez lui tomber dessus, hein, c'est ça? Oh, je t'ai posé une question. Caroline comment? Putain, faites chier, hein! Regarde los críos. Y la mama. Para las cuentas, que hay mucho. Avec Jaume, au début, ça nous dérangeait pas, mais Jonas, elle venait jamais le voir. Alors, quand j'ai compris qu'elle allait nous le laisser, ben, je lui ai dit qu'il fallait pas qu'elle fasse ça. Faire ça, quoi? Faire des bêtises? Mais non, nous le laisser. Enfin, je dis pas qu'elle aurait fait, hein. Mais c'est pas de sa faute aussi. Jonas, il faisait passer nuit, elle en pouvait plus. À la fin de son congé maternité, quand elle a repris Putain, le boulot... Putain, qu'est-ce que c'est, la même samarrête? Oh, écoute, t'as qu'à démerder, ou je sais pas. Cabum deo de deo. Quand elle a repris le boulot, Sandra, c'était l'enfer. Elle m'a appelé un soir et elle craquait complètement. C'est moi qui lui ai dit que je voulais prendre Jonas. Et les parents de ta copine? Eh ben, elle a plus sa mère. Et puis son père, il s'est remarié avec une femme qui avait déjà des enfants. Mais Sandra, elle peut pas les saquer, elle les voit jamais. Et la drogue? Quoi? La drogue. Tu connais pas la drogue? Bah, il y avait un peu de shit, mais... Enfin, en tout cas, Sandra, elle aime pas ça. Elle aime pas perdre le contrôle, elle dit que ça la rend parano. C'est elle, sous la photo? Ouais, ça, c'est nous, au lycée. Il y a plein de types qui croyaient qu'on était sœurs parce qu'on s'habillait pareil. Mais c'est toujours elle que les mecs regardaient. C'est con parce que c'est moi qui faisais tout le boulot. Elle aimait bien, le mec. Mais non, elle s'en foutait. La seule chose qui comptait, c'était Jean-Patrick. Bah, on dormait les uns chez les autres, on rigolait, on parlait de tout, on faisait la fête, c'était bien. Sandra, elle disait qu'elle voulait avoir des seins comme les miens. Enfin, pour rigoler, hein. Et puis après, je sais pas ce qui s'est passé, mais chacun est parti de son côté.
Comment tu sais pas? Qu'est-ce qu'elle a fait, elle, après? Bah, elle allait rester avec Jean-Patrick, mais il y avait plus la bande. Eux, ils étaient tout le temps ensemble. Parfois, ils partaient dans la montagne, on les voyait pas pendant 3 jours. D'ailleurs, ils se sont fait virer du lycée à cause de ça. Qu'est-ce qu'on a rigolé, on voulait faire grève pour eux, on était hyper engagés. Le juge d'instruction. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est à où je vais? Je m'en vais à l'emmener. Parce que je suis fille, je vais ça le juge. Il y a l'habitude. Mais pourquoi je peux pas le prendre avec moi? Tu préfères appeler tes parents ou le père des petits? Non, je vous l'ai déjà dit. Mais je veux voir mon bébé! Mais vous n'avez pas le droit, vous pouvez pas me l'enlever! Je voudrais le voir s'il vous plaît, juste 5 minutes! Mais lâchez-moi, je veux pas! Allez-y. Bonjour. C'est ici? Bonjour. Oui. Comment il s'appelle? Jonas. Mais quel âge t'as? 6 mois. Vous avez les papiers? Oui. Merci. Vous signez le registre, s'il vous plaît. Voilà, juste ici. Voilà. Merci voilà. Beaucoup. Au revoir. Allez, viens, Bruno. Les gars, je suis crevé. Elle est toute seule là-dedans. Ouais, ça a l'air. Ça a l'air de gosse, quoi. Fouillez bien partout, les gars. Y a rien là, hein. Et t'as fait les étagères? De la drogue? Oh non, vous ne doutez pas de trucs comme ça, hein. Ouais. Tu savais quelque chose, toi? Qu'est-ce qui se passe? Bah, Sandra, elle s'est fait coincer avec de la drogue. J'aurais jamais imaginé qu'elle se défonçait. Elle est sympa. Bah tiens, c'est un vrai chameau, oui. Elle était mal barrée avec son petit. Mais ça arrive des fois, des femmes qui ne s'en sortent pas. Surtout des gamines.
Excusez-moi, elle est pas là, la fille brune, avec les cheveux comme ça, qui travaillait ici? Sandra? Oui. Non, elle est pas là en ce moment. Elle est encore absente longtemps, Sandra? Vous la connaissez? Bah oui, enfin, un petit peu. Je vous laissez ça pour elle. Pourquoi moi? Bah, je sais pas. C'est au petit. Alors, je pensais que vous pouvez peut-être le faire passer à son père. Moi, je le connais pas. J'ai cru que c'était vous. Moi? Non, non, pas du tout. Non, non, moi, je suis dépanneur. Et qu'est-ce que j'en fais, moi, si elle revient pas? Martine! C'est pour moi? Allez. Tu sais bien qu'il est perdu sans son doudou. T'as perdu ta maman? Tu veux qu'on passe une annonce? Bon, ça va, Stéphanie, t'es lourde, c'est bon. Ah non, moi, c'est Karine. Stéphanie, c'est ma sœur. Ah merde, excuse-moi. Oui, il m'avait dit, il m'avait demandé si je connaissais quelqu'un pour garder son bébé. Mais moi, je connais personne. Puis elle m'en a pu reparler, alors j'ai pensé qu'elle avait trouvé quelqu'un. Oh, si j'avais su. Faudrait peut-être lui envoyer. Lui envoyer à la maison d'arrêt? Oui, vous avez l'adresse? De quoi? De la maison d'arrêt? Oui. Ah non, non. La maison d'arrêt, c'est toute une affaire. Non, non. Moi, les juges, tout ça... Je connaissais... Mon mari connaissait quelqu'un à la préfecture, mais il a dû prendre sa retraite. Trouver la ficelle. Ça ira, sinon j'en ai de la plus grosse au garage. Et t'as trouvé l'adresse? Ouais, dans l'annuaire, à prison. C'est sa taille, ça? Oh, bah écoute, j'ai pris du 12 mois, alors même si c'est un peu grand, c'est pas grave. Ben, si on n'a pas pensé à mettre quelque chose pour elle. Bah quoi? Ben, on aurait pu lui mettre de la lecture, du shampoing, de l'eau de Cologne. Ouais, ouais. Ben, il n'y a plus de place maintenant, c'est plein. Ça va? Ça va. T'avais pas dit que tu ferais le ménage? Ben ça se voit pas. Ah non. Non. Il y a Véronique qui t'a appelé. Ouais ben... Moi je suis crevé, moi je vais dormir. Ok. Putain, je suis en retard. Viens, mon grand, il y a ta maman qui est là. Vous êtes la maman? Ouais. Venez, votre bébé est là. Vous allez être contente, il gambade. Mais comment ça, il gambade? J'ai mis dans un yopala, il est parti tout seul. Mais putain, mais pourquoi personne me l'a dit? Mais je suis sa mère quand même! Non, mais de quoi vous vous mêlez de le faire marcher comme ça? Mais c'est quoi un yupala? Oh.
être fermé pendant le vent. Tout va bien. Ouais, je sais, je... Il en a plein la couche, y a pas un truc pour le changer? Voilà, les lingettes sont là-dedans. Et si vous voulez utiliser la table à linger, vous pouvez. D'accord? Ouais, ouais, d'accord. Ouais. Attends, on bouge pas. Mais arrête de me regarder comme ça, enfin, je peux pas t'emmener. Chut, c'est fini, c'est fini. Chut. La ferme maintenant, c'est pas le moment. Ok, ok, c'est bon, je t'emmène. Mais tu me promets, t'es pas chiant. Arrête, Jonas, ça c'est pas vrai. Putain, si tu continues, je te laisse dans une poubelle. Hein. T'as vu comment on s'est barré? On rentre et on sort comme on veut dans ce truc-là. Hein. Madame? Madame? La départementale 83 à la rocade. C'est peut-être pas très commode pour vous. Ah si, 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 si. Je peux vous poser avant si vous préférez. Non, c'est bon, c'est bon.
Oui. Oh, la conne. La conne. Putain, la conne. T'as appelé Berger? Oui, bon, alors bouge pas, j'arrive. Tu veux du lait UHT? Y a rien d'autre? Non. Alors, laisse tomber. C'est elle? Oui. Tu crois qu'elle va revenir? Elle se fera accueillir gentiment dès qu'elle sera à bout. Bien sûr. Quand même. T'as rien contre les bébés? Non, mais... Ben, c'est que normalement, ça le calme, ça l'aide pour dormir. Ah bon? Il aime bien. Il a quel âge? 6 mois. Bientôt 7. C'est un garçon ou une fille? Un garçon. Ah, c'est bien. Moi, je suis avec des filles. 3. Ah ouais? Mais il paraît que c'est plus facile, les filles. C'est vous qui le dites? Il s'appelle comment? Jonas. Jonas. Mon mari, il est breton. Résultat, Gaël, Gwenaël et Nowen. Vous devriez vous mettre sur le siège arrière avec les épées prudents. Ah, quand j'en vois un tout petit comme ça, ça me donne envie de recommencer. Ah, c'est tellement incroyable quand ça vous regarde. Leur petite bouche qui cherche le sein. Je crois qu'il faut que je le change, là. Vous voulez qu'on s'arrête? Ouais, je veux bien. Ouais, ben moi aussi, j'ai faim. Il n'y a pas que toi. Chut. Regarde-moi ça, mais t'en mets de partout. Ils sont fatigués les yeux. Allez, on ferme les yeux, ils veulent dormir les yeux. Et puis les pieds, ils sont fatigués les pieds. Ils l'ont retrouvée? Non, c'est une bonne femme, elle voulait rentrer au Portugal avec son gosse.
C'est le père, quand il s'en est aperçu, il a prévenu les flics. Je suis à la douane, là. Tu veux que je te rappelle? Non, ça va, c'est pas la peine. Qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce qu'il y a? T'as faim, c'est ça? Mais écoute, y a plus rien à manger. Mais t'as qu'à dormir. Allez, t'as qu'à dormir, hein. Vous allez rester là toute la nuit? Il y a un collègue qui me relève à 4h30. Oh, vous me l'auriez dit plus tôt, j'aurais fait du café, mais là, j'ai lavé la machine. Oh, c'est gentil, mais le café, moi, ça me fait rien. Mais qu'est-ce que c'est que vous fait croire qu'elle va venir? C'est toujours comme ça. À un moment ou à un autre, ils finissent par revenir, on n'y peut rien. Puis vous voulez qu'elle aille avec son bébé. Mais raccroche pas, faut que tu m'aides, Caro. Non, mais je sais pas, moi. Démerde-toi, j'en sais rien. Arrête, Jonas. Deux secondes, putain. Ça suffit, Jonas, avec le fil. Faut absolument que je vois Jean-Patrick. Je sais pas, trouve-moi son numéro. Mais préviens-le, alors. Mais je sais pas, moi, où il est, Jean-Patrick. T'as demandé à Manu? Il travaille avec lui sur un chantier à Narbonne. C'est les acédiques pour le stage. Bon, écoute, il faut que je raccroche. En plus, il y a l'autre qui me fait la gueule. Ok, c'est ça, ouais. Merci, va mourir. Oh. Attends, chut. Chut. Putain, mais il n'y en a plus des couches, hein. Je suis désolée, tu vas rester comme ça, c'est quand même pas de ma faute, hein. Ok? Mais je sais pas, moi, j'ai pas d'argent, je suis toute trempée. Ah non, mais il y a des policiers qui vous attendent. Il faudrait dû les materniser pour le petit. J'ai plus rien pour le bébé. Et puis il me faudrait une tétine aussi, mais pas une tétine physiologique. Ça, il en veut pas. Il me faudrait une ronde en caoutchouc. Je vous ai envoyé un colis avant-hier. Pour moi? Ah oui, mon mari savait pas où trouver l'adresse. Je peux pas rester là. J'avais trouvé un petit pyjama et là, rien ne va. Oh, vous pouvez pas continuer comme ça. Vous en sortirez jamais. Pour
lait maternisé avec du premier âge. Oh non, mais je sais, c'est pas le problème. Si vous êtes pas coupable, faut vous rendre. Je vous assure, là, pensez au petit. Vous imaginez s'il lui arrivait quoi que ce soit? Mais j'en peux plus, moi, je veux juste que ça s'arrête. Je l'ai porté tout le temps, je sens plus mon dos. Mais j'ai rien fait, moi, j'y suis pour rien, et puis personne me croit. Si? Non, et puis, s'ils me rattrapent, ils vont le coller dans un foyer. Vous imaginez si j'en prends pour 3 ans? Je me demande pourquoi je l'ai gardé. Je sais pas m'y prendre avec lui. Je m'énerve tout de suite, du coup, il pleure tout le temps. Je sais jamais s'il a faim ou soif ou mal quelque part. Je me demande comment elles font, les autres mères. Moi, je suis nulle. Si je l'avais pas gardé, Jean-Patrick, il serait resté avec moi, mais... Au lieu de ça, j'ai fait que des conneries depuis le début. Mais c'est lui aussi. Pourquoi il m'a largué? Il est parti comme ça, il a pas donné de nouvelles, rien, et puis... Vous savez, ce qu'il faudrait faire, c'est aller dans un commissariat. Vous êtes avec lui, ça va se passer bien. Puis vous expliquerez après. Si vous voulez, je peux essayer de me renseigner pour vous trouver un avocat. Je sais plus. Qu'est-ce que vous faites là? Oh! Attendez! Mais lâche-moi! Non, mais lâche-moi! Lâche-moi, je te dis! Mais lâche-moi! Donnez-moi ça! Lâche-moi! Sécurité? Oui? Allô, sécurité? Non. Attention, je vais tirer! Allô, sécurité? Elle a un flingue, merde! Allô? La sécurité pour l'accueil, la sécurité. Les agents de la sécurité sont demandés aux caisses. Les agents de la sécurité sont demandés...
Elle a déjà fait le coup. T'y allais ? Juste avant Noël. Elle s'était enfermée, c'est moi qui l'ai emmenée. T'aurais vu là-dedans ? Ah bon ? Qu'est-ce qu'il y avait ? Ben, l'odeur, tout ça, le bordel, quoi. À la rue Carnot, y a pas déjà eu des casses là-bas ? Y a pas des studios qui ont été cambriolés ? Non, 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 c'était une bande qui s'est fait coincer. Ils venaient de Lyon, de Béziers, je crois, plutôt. Ah, la bande des 4x4 ? Non, ça, c'était les gitans avec les gamins et tout ça. Hola. Hola, qui est-ce ? Diggy ? Qui est-ce ? Hop ! Tiens, allez, laisse le ballon ! Il y en a un ici. Va me chercher un ballon là-bas. Touche le balle seulement. Regarde Raoul. Pas aussi loin là-bas. Laisse le ballon. Allez. Doucement, doucement. Ouais. Là, là. Mais qu'est-ce que tu fous là ? Tu me reconnais ? Bah oui. Non, mais parce que comme un coup tu me reconnais et puis devant les flics tu m'as jamais vu. Bon, ça va, excuse-moi. Je t'ai jamais dit que je t'avais jamais vu. Ouais, c'est vrai, j'étais un peu nul, mais je savais pas, moi. Ouais. Ça va ? Ben, monte. Ça se mange mieux ? Ça en est comme ça ? Ah, il y a une semaine de promo. C'est la semaine des biscuits mous. De toute façon, j'ai rien mangé depuis 2 jours. Alors même ça sent le carton. Là. Ouais, te gêne pas, j'en ai encore 2 paquets. Allez, bonne nuit. Faut que j'aille à Narbonne. Je sais pas comment y aller, alors... Moi, je peux pas. Tu peux pas me demander ça, merde. T'as tous les flics de la région en train. Je veux bien t'aider si tu veux un peu de fric, tout ça, mais... Mais attends, mais toi, ils t'arrêteront jamais. Je sais pas, je peux me mettre dessous. Enfin, juste, je me baisse et puis... Je sais pas, juste, tu me déposes et puis moi, je me débrouille. Hein. Qu'est-ce que tu vas faire à Narbonne ? Voir quelqu'un. Non, mais attends, c'est bon, ça va pas te prendre beaucoup de temps. Puis c'est même pas à Narbonne, c'est juste avant, c'est juste derrière les étangs. Sur la route de Sigean ? Ouais, là où il y a les chantiers. Mais si je me fais coincer avec toi, je suis complice, moi. Je vais en taule, je perds mon boulot. Je veux bien t'aider, mais... C'est tout ce que j'ai, là. Si tu veux, je peux te... Non, mais attends, mais garde-le, ton blé, mais j'en ai rien à foutre de tes 200 balles. C'est quoi, là, c'est ta PA de l'année ? Ok, ça va, c'est bon. J'y peux rien si tu t'es fait coincer, moi. C'est pas moi qui ai fait la connerie. Pauvre con, va. Attends, attends !
Mais attends! Attends! Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais attends, je sais pas, moi, on peut discuter, je peux... Ah ouais, tu peux quoi? Tu peux me laisser au prochain rond-point, c'est ça? Mais attends, mais qu'est-ce que tu fous, là? Et reviens! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je suis pas sympa, moi, c'est ça? Je suis pas sympa? Oh, fais chier! Dis-moi, pour ton feu arrière, c'est lequel qu'il te fallait, le gauche ou le droit? Laisse tomber, Toto, j'en ai plus besoin. Hein. Attends, tu rigoles, laisse tomber, si tu crois que c'est facile à trouver, ces antiquités? J'ai avancé 125 balles, moi, pour l'avoir. 125 balles? Ouais, chez Katoto, et avant, je suis monté à Serré, à la casse à Stagel. Même mon frangin, qui est à Montpellier, m'a dit que j'ai du bol d'en trouver un. Et ça va pas la tête, moi, je paye pas 125 balles pour ça. Alors là, ils sont beaux, les mecs, hein. Quand c'est j'ai demandé, ça va, c'est facile. Mais après. Bon, fais voir. Qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Y a même pas le joint dessus. Mais un coup de c'est pas flex, c'est bon, je t'en fais un de joint, moi, quand tu veux. Tu vas pas m'emmerder pour l'histoire de joint. Mais tes histoires de joint, franchement, mais. Qu'est-ce que tu veux que j'en fasse, moi, de ce truc maintenant? Ben moi alors! Merde, putain! Maison de Jean-Patrick, c'est ici? Bah oui, pourquoi? Il est là. Mais arrête! Arrête! Chut! Arrête! Il va rentrer quand? Je sais pas. La fois, il reste dormir sous le chantier. Je peux rentrer là, faut que je le change. Juste deux minutes. Non, c'est pas grave, c'est bon, je me dégage. Je vous préviens, le ménage, j'ai pas le temps de le faire. Hein. Il a quel âge? 6 mois, un peu plus maintenant. On va pas rester là, on va déménager. On va aller sur Nîmes. Il y a son oncle qui veut le faire rentrer à la ville. On a demandé un logement à la mairie. Je peux le poser? J'en peux plus, putain, j'y partais tout le temps, je sens plus mon dos. Toujours les mêmes? Non, il a arrêté, c'est à moi. Maintenant, il reste plus qu'à faire les papiers pour les deux logements et normalement, c'est bon. Mais arrête, Jonas! On trouve que Nîmes, ça sert à mieux avec le bébé. Je peux utiliser vos toilettes? Oui, c'est là-bas au fond. Je peux vous laisser juste 2 minutes? Non, mais c'est juste le temps d'aller pisser, c'est bon, après, de toute façon, on a de la route, on se casse. Ah!
y a les flics qui sont venus chercher une fille. Ils sont venus là? Oui. Une fille qu'il a connue au lycée. Quand je l'ai rencontrée, il venait juste de casser. Mais maintenant, ça va. Les flics, ils ont tout fouillé. Et puis, Jean-Patrick, ils lui ont dit que s'ils répondaient pas à leurs questions, ils allaient les mettre en examen. Qu'est-ce qu'ils voulaient savoir? Bah, les noms des copains d'avant, c'est qu'ils prenaient du shit, tout ça. Il a dit qu'il y en avait qu'un ou deux. Quoi? Quoi, quoi? Les autres. L'année dernière, quand il fallait l'aider, qu'il avait pas de chantier, qu'il fallait qu'il fasse réparer sa voiture, bah, il y avait plus personne. Ils ont dit aussi qu'elle avait un bébé de lui. Ah ouais? Bah, il le savait, non? Il a demandé si c'était un garçon ou une fille. Ils ont dit que c'était un garçon. Et alors? Tu lui as fait quoi? Rien. Quand ils sont partis, il a pris une bière, puis il est sorti dehors. Ah ouais. Il fume plus, mais il boit de la bière. Ouais, deux fois. Comme tout le monde. Si tu veux dormir tout à l'heure, tu peux dormir ici, c'est ma chambre. Ben, moi, je travaille la nuit, alors. Il s'est endormi, Jonas? Oui. Il a dit maman, maman, trois fois, et puis il s'est endormi. Ah ouais? Mais t'es sûr qu'il a dit maman? À mon avis, t'as dû rêver, parce que... Ouais, c'est ça, ouais. J'ai dû rêver. Il y a des trucs à manger dans le congélateur, si tu veux. Ben, tu vas manger, toi? Ouais. D'accord. Tu veux quoi? Je sais pas. Comme toi? Ok. Il y a du poulet avec des légumes aussi. Ça va? Pourquoi il n'y a pas d'étiquette? Ben... C'est maison, quoi. Ouais. Ah, comment ça? Ben, c'est... C'est ma mère qui les fait. Elle te fait tes petits plats comme ça pour toute la semaine? Non, mais quand elle prépare des plats, elle m'en congèle un peu. Puis elle te fait le ménage aussi? Non. Ça, c'est... Elle habite dans l'Hérault. Oh, c'est pas à côté. Tu veux que je mette la table? Bah oui, si tu veux. Bah, elles sont où les assiettes? Là.
Et les couverts? Là, dans le tiroir. Je mets lesquels? Ils sont où les verres? Là. C'est pas Jonas? Quoi? Bah, je sais pas, t'as pas entendu un bruit? Non. Excuse-moi. Attends. J'ai pas l'habitude de faire l'amour comme ça. Je sais même plus ce que c'est. C'est pas grave, moi non plus. Si tu veux, je peux dormir à côté. Dans la baignoire? C'est une douche. Oui, c'est vrai. Mais dans la douche. J'ai jamais fait l'amour avec quelqu'un d'autre que mon copain. On était ensemble depuis le lycée. Et vous êtes plus ensemble? Non. Il te manque? Question suivante. Ben... Monsieur et madame Effet Lavaisselle ont un fils. Comment l'appelle-t-il? Je veux bien que tu me prennes dans tes bras. Vladimir. Quoi? Vladimir Effet Lavaisselle. N'empêche, elle aurait pas pris de revolver. Ça serait pas la même chose. Oh, mais c'est eux aussi. Ils sont tous après elle. C'est normal qu'elle panique. Il paraît qu'ils ont diffusé un avis de recherche avec sa photo et tout. Tu verrais comment elles m'ont regardé les autres quand je suis arrivée aux caisses. T'es au courant pour Marie-Vonne? J'aurais jamais cru ça d'elle. Inès, vous êtes convoquée chez le chef du personnel. Maintenant? Faut que je ferme ma caisse, là? Non, à la pause de 11h. Mon mari me dit que s'ils veulent me renvoyer... Je peux demander des indemnités, des primes et tout fourbi pour licenciement abusif. Hé, c'est ma chemise, ça. Quoi? Tu me rends ma chemise, hein? Mais c'est pas Alex. Putain, y'en a marre de ce genre de plan. Hé, c'est toi qui as déposé les fringues sur mon ordinateur? De quoi tu parles, là? Le tas de linge crade, là-bas. C'est quoi ton problème? Mon problème, c'est la poussière. C'est super fragile à l'intérieur. Putain, y'en a marre de ce genre de plan. Je reprends mon boulot à 6 heures. Comment je fais pour m'endormir? Moi, je suis naze. Je t'inquiète. Y'a pas de l'eau minérale quelque part? Ah non, l'eau minérale en fait pas. Faut aller à l'hôtel pour ça. Putain, ce coup-là, il me l'avait jamais fait. Ramener des nanas, d'accord. Mais là, avec un bébé, bravo. À toi, c'est sûr que tu dois pas en ramener des masses, des nanas. Hein. Et attends, là, tu me parles autrement, d'accord? T'es chez moi, ici. Ouais, mais ça, j'avais compris, ouais. Qui est-ce qui vous a donné la drogue? La drogue? On comprenne, non, hein? Qu'est-ce qu'on fait pour la fille, hein? Mais la fille avec son gosse, faut les transmettre, non? Je sais pas, moi. Tu l'appelles sur son portable, tu lui dis de passer nous voir, puis surtout, tu mets le champagne au frais et on fera la fête tous ensemble. Ça te fait marrer, toi? Allez, vas-y. Allez, embarquez-moi ça. Mais quel...
Attends, tu vas pas encore me bassiner avec tes 125 balles. Mais non, la nana avait le gosse l'autre fois à la frontière. Eh ben, il y a une famille de belges qui sont fait coincer pareil. Comment ça? Ben, toute une famille, ils revenaient d'Espagne, ils s'arrêtent à Figueres à faire le plein. Et pendant qu'ils vont boire un café, t'as deux mecs qui leur scotchent le paquet sous la bagnole. Ils attendent qu'ils repartent, ils les suivent. Et après la frontière, les douaniers les ont chopés au moment où ils allaient récupérer la cam. Et qui ça, les Belges? Mais non, du coup, les mecs qui avaient scotché le paquet. Et ils ont parlé d'elle? Qui ça? Ben la fille, celle de l'autre fois, là, avec le gosse. Mais non, mais s'ils ont fait le même plan, c'est bon, elle est tirée d'affaire. Bah, tirée d'affaire, qu'est-ce que t'en sais? Ben, je sais pas, c'est logique. Ah, c'est logique, c'est logique. Tu sais, c'est pas si facile que ça, hein. Où elle est? Quoi? Qui? Elle est plus là. Pauvre con. Elle s'est tirée, hein, c'est ça? Qu'est-ce que tu lui as dit, hein, pauvre con? Je sais pas, moi. Je te jure, s'il lui arrive un truc, si à cause de toi, il lui arrive une merde à elle ou à son gosse, je te jure, je te pète tes dents, je te pète toutes tes dents! Billet, s'il vous plaît. Il est arrivé en retard, j'ai pas eu le temps d'acheter le billet. Ah, vous allez où? Ben, au terminus. Non, allez, soyez sympa. Non, mais soyez sympa, enfin, j'ai pas eu le temps avec le bébé et tout ça. 216 francs, s'il vous plaît. Vous mouillez comment? Chèque, liquide? Mais enfin, mais ça peut arriver, non, mais qu'est-ce que ça change pour vous? Mais de toute façon, moi, j'ai rien sur moi, là. Bon, vous pouvez me régler ou vous pouvez pas? Mais qu'est-ce que ça change pour vous? Non, ben, je vais vous demander une pièce d'identité, s'il vous plaît. Mais j'ai rien, là, j'ai que ma carte bleue. Là. Mais putain, mais je les ai pas, mes papiers. Mais enfin, c'est pas vrai, mais mettez-moi une amende, je m'en fous, je vais vous donner mon adresse. Non, mais dans ce cas, je vais vous demander de descendre à la prochaine gare avec moi et je vais appeler la sécurité. Putain, faut arrêter de m'emmerder, là. Parce que je vous jure, je vais faire une connerie. Une grosse, grosse, grosse connerie. Maman, elle est un peu nerveuse. Écoutez, balancez-nous au flic. Moi, je sais pas, il en a marre, j'en ai marre. Mais qu'on en finisse au moins vite. Elle a rien fait, la fille. Quoi? Comment ça? Mais où est le juge? C'est pas vrai, ça. Ah non, mais moi, leur papier, je leur ai dit non, je signe pas. Non. Et qu'est-ce qu'il a dit, Morel? Ah, ben, je l'envoyais balader, Morel. Il voulait porter plainte pour coups et blessures, vous imaginez? Et puis quoi encore? Avec mon sac, j'ai à peine touché. Et chirurgie caissière chez Supersolde. Oh, ben, il ne faut pas se débarrasser de moi comme ça. Supersolde. En tout cas, vous avez pas eu peur, vous? Ben quoi? Vous auriez fait quoi à ma place?
Voilà. Tu bouges pas. Gonz à la voiture, qu'est-ce qu'on fait si on se retrouve face à elle? On vous demande si la localiser, vous attendez pour intervention. On est tout seul là, c'est pas réglementaire, qu'est-ce que vous attendez pour appeler les autres? Il y a une bousculade à la ferrière serrée, on a deux équipes sur place. Et qu'est-ce qu'on fait si elle tire? C'est elle, tu crois? Ça te plaît? Oui? Tiens, il y avait ça dans le train. C'est celui de la fille? Hein. Faudrait peut-être prévenir. Bah, prévenir qui? Les appeler à Perpignan pour qu'ils préviennent la gendarmerie. Fais voir. Mon mieux. Ça fait un dégât, un truc comme ça. Ouais. Je pensais pas que c'était si lourd. Une fois qu'on l'a dans la main, ça... T'en avais jamais tenu, toi? Elle a dû prendre un branchement sur la D12. À mon avis, elle remonte sur Prades. Elle est où, là? Vous avez le contact? Thank you.
Il a faim. Je vais lui donner son biberon. Il a changé, c'est fou. Qu'est-ce qu'il a grandi? Ah ouais, hein? Oh, tu sais pas ce qu'il m'a fait hier? Il a essayé de marcher. Il s'est tenu, là, contre le lit, et puis, bah, il a essayé de se lancer. Tu sais, si t'as besoin, je peux le prendre, hein. De toute façon, profite-en, j'ai que ça à faire. Pourquoi? T'as plus de boulot? Non. Mais de toute façon, je vais revenir ici, parce qu'avec Jaume, on s'est engueulé. Ah, merde. Non, mais qu'est-ce qui s'est passé? Bah, rien, c'est un vrai con, ce mec, y'en a que pour lui. Puis, en plus, il y a son frère qui a débarqué, je te raconte pas l'angoisse. Ils parlaient dans leur langue, là, toute la journée, moi, je comprenais rien. Tu sais, si ça te gêne pour l'appart, je peux demander à Christophe de me dépanner, hein. Non, non, non. Non, et puis attends, Christophe, c'est quand même un super con, hein. Mais dis-moi, toi, tu vas où? C'est qui, ce mec? Tu pars combien de temps? Vas-y, raconte! Ça va pas recommencer là. Thank you.